Coucou, quatrième jour, on rentre à la maison. C'est Philou qui va diriger la danse. Il est 10h, 9h58. On devait partir à 10h et 9h58. Et les motos tournent. Là, on quitte la Belle Bleue pour aller retrouver la Belle Bleue ailleurs. On est sorti de Mandelieu, on passe par la montagne, ça risque d'être joli. Alors, je t'allume la GoPro. Superbe depuis tout à l'heure. On arrive au 6 sombre. Finalement, Philou, il a pris la route que j'avais pris la dernière fois pour rentrer. Mais elle est très chouette, donc elle virole bien. Elle est super chouette, super jolie. Regarde-moi ça. Et en plus, comme on est parti suffisamment tard, on n'a pas eu trop de verglas. C'était trempé dans les forêts, mais je pense que c'était pas verglacé. Enfin, on n'est pas allé à... On a été prudent quand même. Hein. On ne penchait pas comme des fous dans les virolos. On se cherche un Burger King pour une fois. On fait une entorse. Ça doit faire... Je crois que j'ai jamais mangé de Burger King de ma vie. Eh ben, écoute, ce sera l'occasion. On va vers Saint-Tropez. En tout cas, hein, la chance qu'on a avec le temps, dès demain, il paraît que ça commence à se recouvrir et puis va repleuvoir par la suite. Et voilà, on retourne à la... au vent. Dès qu'on passe la région de Saint-Tropez, on est dans le vent. On va traverser la forêt du Don. Bon, là, il y a des radars, faire gaffe. Coucou. Écoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé la GoPro 5. Les chattes, elles n'arrêtent pas. Et bah, je suis à mon troisième enregistrement pour la même chose. Chaque fois, je crois que ça enregistre et c'est éteint. Bon, bref, c'était pour te dire plusieurs choses. D'abord que tu vois, après ces deux petites minutes de retour à Toulon, tu as eu toute la série de notre moto trip hiver sur la Côte d'Azur. Et vraiment, si tu as la possibilité d'y aller, si... Vas-y, parce que même si les campings sont fermés, moi pour moi c'est un peu plus cher vraiment parce que je prends des campings à la ferme qui coûtent deux fois rien. Mais le F1 à deux dans la même piole, deux ou trois, pour trois jours, c'est le prix d'un camping avec piscine, ou même sans piscine, mais un vrai camping. Bon voilà, je voulais te dire ça. Donc voilà, on est bien rentré, tout va bien. Depuis, et je vais te le mettre en ligne demain, après-demain, je sais pas. On a fait une balade moto et c'est Philou qui était le maître d'œuvre. Et vraiment, on s'est baladé dans le Var à moto, mais on peut passer des jours à faire des virolos dans des endroits sublimes sans voir personne, quoi. C'est extraordinaire. En tout cas, en hiver. Tu verras ça. Et puis, je voulais te dire aussi que j'ai une grosse envie de retourner dans le Larzac et d'aller au Barasquet parce que bon... D'accord, c'est l'hiver, il fait très froid là-bas, c'est très rude. Mais il y a quand même une petite maison, on peut se mettre à l'abri s'il y a trop de vent ou trop de pluie. Il y a des douches bouillantes et puis mon petit coin d'amour. Alors bon, bien sûr, là, il y a les fêtes, donc je vais être coincée, mais peut-être que début janvier, j'y retourne. Bon, dis-moi ce que t'en penses. T'en as peut-être marre. Et puis, je voulais te parler d'autre chose. Je te rappelle la première fois que je suis allée au Barasquet, je suis tombée en panne de batterie parce que j'avais mal verrouillé la clé. J'avais pas mis dans la bonne position. Donc c'était le fermier des Barasquet qui m'avait dépanné avec une batterie. Et comme moi j'aime pas du tout dépendre des gens, tadam, Hulk quand même. Hein. C'est pas vert mais c'est Hulk. Hulkman, c'est Lunaris 21-22 qui en a parlé dans une de ses vidéos. C'est un mec qui fait beaucoup d'essais motos, voitures,
est quelquefois produit quand on lui en envoie. Et là, comme c'est un mec qui ne fait pas du tout de placement de produit, parce qu'il est affilié avec personne, sauf je crois avec Olight, et il donnait un avis excellent là-dessus, et je t'assure qu'il ne mâche pas ses mots, quand c'est pas bon, c'est pas bon, je lui dis. Donc je me suis fendue de 150 balles avec la housse, et tadam, j'ai ce booster qui peut faire démarrer n'importe quelle batterie, qui recharge n'importe laquelle de mes GoPro ou de mon téléphone, parce que j'en ai quatre, et qui en plus c'est chauffage à point dans la petite tente. Il va jusqu'à moins 40 degrés, il peut faire chauffage jusqu'à moins 40 degrés. Donc voilà, je me suis fendue de ça, et je m'en sers tout le temps en fait. Non, c'est génial, hein, ça fonctionne très très bien, c'est génial. Parce que faut acheter un appareil comme ça si on en a l'utilité, si on n'a pas l'utilité, si on s'en sert jamais, si c'est juste pour le cas où... tu t'en serviras jamais, tu ne tomberas plus jamais en panne et tu auras foutu 150 balles en l'air. Avec moi, je m'en sers tout le temps. Voilà. Tout ce que je voulais te dire. Bon, donc, à la prochaine vidéo qui est la panade moto avec Philou. Et puis, il va se passer des trucs, hein. Forcément, tu me connais. Bye bye. À bientôt.